Hello les amis, c'est Mutrap Nomad de Nintendo Alert Station of Play et on se retrouve aujourd'hui pour le sanctuaire donc, de Tau Yosipuni. Donc, je vous montre où ça se trouve. Voilà. Ici, très exactement. Alors ce sera un sanctuaire où on va beaucoup utiliser des sphères. Donc là, on utilise le pouvoir de rétrospective que moi j'appelle marche arrière, retour arrière. Et là, pareil, pour récupérer le coffre, hop, retour arrière, et le coffre est déposé directement à nos pieds. Bon, c'est un arc de golem, il n'est pas trop mal, mais j'ai déjà de bons arcs, donc je passe mon tour. Allez, on continue. Donc là, lorsqu'on appuie sur le mécanisme, en fait, ça ouvre et ça ferme la porte. Enfin, la porte. Les deux grilles. Donc, on va aller faire un retour arrière, rétrospective. Marche arrière pour moi. Désolée. Et hop, deuxième phase terminée. Alors là, il va falloir aller récupérer une sphère. C'est souvent comme ça, hein, dans les sanctuaires de Tears of the Kingdom, on doit souvent aller récupérer des objets qui sont dans la pièce précédente. Et on va attendre pour faire un collage. Voilà, il faut que c'est collé. Hop, on décolle. Et la grille s'ouvre. On continue. Dernière étape. On a une sphère, un réceptacle, deux réceptacles d'ailleurs. Ouch. C'est pas grave. Rétrospection ou marche arrière, et voilà, le tour est joué. Donc c'est la fin de ce sanctuaire. Si ça vous a plu, malgré le fait que je dise marche arrière et pas rétrospection, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. À très bientôt, bye bye les amis.